Alors vous pensez bien qu'à Campagnols, comme partout, on a son opinion au sujet de la fameuse affaire d'État. Mais ce qui m'intéresse, enfin pour l'instant, c'est justement ce comme partout, ou plutôt c'est le fait que nous soyons en vacances, même ceux qui n'en prennent guère, que le temps s'allonge en ce moment, que le pays ralentit et que les gens se retrouvent plus souvent et plus volontiers que d'habitude sous les ombrages, aux terrasses, au bord des piscines et des plages, pour parler. Ils parlent, je veux dire, ils se parlent davantage qu'à l'ordinaire. Et que disent-ils de l'affaire Macron, par exemple? Ben, j'y viens, je voulais juste signaler que l'une des raisons pour lesquelles l'opinion publique tend à disparaître à notre époque, c'est la solitude que l'on subit toute l'année. Quand on vit tout seul dans son coin, on ne raisonne pas avec autrui pour se forger une opinion. On n'en a aucune, ou alors on a celle de la télé. Tandis que les vacances sont un moment où l'on parle, justement, où on réfléchit ensemble, où l'on commente les nouvelles qui tombent de Paris toutes les 4 heures. Et il faut admettre que récemment, le rythme a été soutenu. Donc, première observation, le président de la République ne pouvait pas trouver pire époque de l'année pour susciter les commentaires, ou plutôt, il comptait sur les vacances pour les faire accélérer en sa faveur après le triomphe de son équipe de foot, et ils accélèrent en effet, mais c'est désormais en sa défaveur. Les télévisions qu'on accuse depuis le début de faire son jeu de manière éhontée semblent le défaire, bizarrement, et vous, si vous me demandez ce qu'on en dit à Campagnols, eh ben, on en dit ça déjà, c'est que le journal Le Monde, par exemple, qui a compté parmi ses promoteurs depuis le début, a choisi de l'humilier publiquement devant l'opinion, et les gens de Campagnols ne sont pas assez fous pour ne pas avoir remarqué ce paradoxe et pour l'interpréter. Ils se disent ce qu'on n'entend pas dans les médias, c'est-à-dire pour être lâché aussi totalement, aussi rapidement, qu'a-t-il fait que nous ne connaissons pas? Et ses prétendus amis ne sont-ils pas en train de se mettre à l'abri, l'accablant à toute allure avant que le reste ne soit révélé? Alors quel reste, vous allez me dire, ben, on ne sait pas, mais là encore, l'opinion de Campagnols est assez intéressante. On entend dire que maintenant qu'on connaît le personnage, il ne serait pas surprenant qu'on découvre un truc énorme, une filouterie majeure, et en quelque sorte, la machine qu'il a portée au pouvoir commence à prendre peur parce qu'il représenterait un danger de tout faire sauter. Mon ami Gustave m'a même dit un truc assez amusant, il l'a comparé aux chiens de race récente comme les Doberman, il m'a dit c'est un hybride instable, son caractère n'est pas fixé, avec les croisements il faut toujours faire attention, et bien lui il est croisé socialiste et banquier, jeune homme catholique et copain des racailles, il est croisé Peter Pan et gérontophile, américain et français, donc psychologiquement il a tous les défauts des hybrides, hyperactif, dominateur, irréfléchi, agressif, fragile, surtout fragile. Quand il dit aux enquêteurs par exemple qu'ils n'ont qu'à venir le chercher, c'est quand même une puérilité de gamin qui s'est réfugié au sommet d'un arbre. C'est peut-être ça que ces découvreurs ont compris tardivement, m'a dit Gustave. C'est un être qui mélange la puissance et la puérilité. Au début, tu penses que son côté juvénile va plaire aux foules et ça a marché. Mais finalement, tu t'aperçois que c'est surtout un caractériel qui réagit comme un garnement, qui n'a pas de jugement. Et là, les actionnaires de son petit business commencent à avoir la trouille. Mais qui, les actionnaires, ai-je demandé? Les actionnaires, c'est nous. Mais non, il a été porté au pouvoir, m'a-t-il répondu, par des actionnaires très peu nombreux, au contraire, mais puissants. La Macronie, c'est une vente privée. Ils ont formé un club pour rester dans la métaphore actionnaire. L'affaire ressemble à un coup monté avant l'Assemblée générale pour enfumer les petits porteurs. Visiblement, les gros actionnaires en savent plus que nous à son sujet et ils balancent pour se mettre à l'abri. Eh bien, en tout cas, ça se confirme, il est toujours instructif de croiser Gustave à Campagnols pour l'écouter sur les questions de l'heure. Demain, je vous raconterai qu'un ancien gendarme a pris part à notre conversation juste après. C'est ça l'été, on entend tous les points de vue en quelques minutes. Ça s'appelle Campagnols TVL et c'est sur YouTube jusqu'au 3 août. Merci.